Nous allons maintenant passer à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre suppléant. Il y a eu un rapport qui a été fait concernant l'affaire des élections partielles de Sudbury. Et il a été dit que le directeur général des élections a invité la première ministre à comparaître. Est-ce que c'est exact? Merci. La vice-première ministre. Donc, comme le sait le député d'en face, la première ministre a répondu à répétition à de nombreuses questions à ce sujet. Et nous savons tous qu'elle coopère complètement avec cette enquête. Et j'aimerais dire que je ne pense pas être la seule dans cette province à penser que c'est un peu étrange que l'opposition, ces dernières semaines, n'ait posé que des questions sur cette affaire de Sudbury, à l'exclusion de toute autre question ou préoccupation. Et je pense que l'opposition se préoccupe autant que nous de la situation de l'Ontario. Je pense que ça les intéresse autant que nous et je me demande pourquoi ils ne posent pas de questions là-dessus. Parce que je sais qu'il y a eu un rapport sur l'économie qui a été publié ce matin et je suis sûre qu'ils se préoccupent aussi de l'économie de notre province. Merci. Complémentaire. Encore une fois à la vice-première ministre, vous savez que 2/3 des Ontariens veulent que Pat Sobera se retire. Ils ne pensent pas qu'elle devrait continuer à être rémunérée et à travailler pour le bureau de la première ministre. La plupart des Ontariens qui nous écoutent savent que la première ministre ne répond pas aux questions concernant cette affaire, qu'elle ne coopère pas avec les enquêteurs et cela fait 5 semaines déjà que Pat Sobera aurait dû être suspendu. Et donc, je vais vous demander encore une fois si elle a été donc assignée à comparaître. Parce que vous savez, la police provinciale de l'Ontario, malheureusement, n'a pas le pouvoir de l'assigner à comparaître. Alors, est-ce qu'elle a été assignée à comparaître? C'est que c'est la seule raison pour laquelle elle a répondu aux questions. La vice-première ministre. Je trouve que vraiment c'est tout à fait indigne de la part du chef de l'opposition que de poser une telle question. Il sait très bien que la première ministre prend cette enquête très au sérieux, qu'elle coopère pleinement avec les enquêteurs. Et je pense qu'il faut quand même parler de l'économie de cette province qui est très importante. Et donc la RBC a dit que l'Ontario allait se placer en tête des classements de croissance économique en 2015. C'est une chose qui ne s'est pas produite depuis 2000. Et donc, les prévisions de la RBC sont qu'il y aura une accélération du PIB de cette province. Continuez, s'il vous plaît. Et terminez. Donc, ils estiment qu'il y aura une augmentation qui sera la meilleure depuis ces 5 dernières années, la plus importante. Donc je pense vraiment qu'il faudrait applaudir cette performance. Merci. Complémentaire final. Donc à la vice-première ministre, encore une fois. Madame la vice-première ministre, cela a pris 5 semaines à la première ministre de rencontrer le directeur général des élections. Cela fait maintenant 9 semaines que l'enquête a été ouverte concernant ces allégations. Et nous savons maintenant que, en fait, la seule raison pour laquelle la première ministre a rencontré ses enquêteurs principaux, c'était parce qu'elle avait été assignée à comparaître, parce que la police provinciale de l'Ontario n'a pas le pouvoir de l'assigner à comparaître. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ce gouvernement se moque complètement de cette enquête ces 9 dernières semaines, s'est complètement moqué de cette enquête et que maintenant ils nous présentent les choses comme s'ils avaient coopéré? Pourquoi est-ce qu'on a retardé sans cesse cette rencontre avec la PPO?
Je suis tout à fait en désaccord avec les sous-entendus de cette question. La Première ministre coopère complètement avec cette enquête, comme elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle travaille en collaboration avec la police provinciale de l'Ontario. Mais parlons d'économie. Il y a donc eu une évolution économique tout à fait favorable ces dernières semaines et années pour l'Ontario. La Banque du Canada a dit très clairement qu'il va y avoir vraiment une stimulation de la croissance économique en Ontario due à toutes sortes de facteurs. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour les gens de cette province. Et l'économiste en chef de la RBC l'a très bien dit. Et il dit donc qu'il y aura une conjonction de facteurs favorables pour justement stimuler notre économie. Donc il n'y a pas de question ni de priorité au niveau de l'opposition, on le voit très bien. Nous posons des questions parce que nous essayons de faire la lumière sur un scandale. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, j'ai écrit au commissaire à l'intégrité pour demander à ce qu'il fasse l'enquête sur les procédures au niveau du bureau de la première ministre concernant cette enquête qui est en cours. Donc, le comportement de la première ministre est un peu étrange parce qu'elle fait l'objet d'enquêtes et elle ne se comporte pas de manière appropriée. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les courriels et les communications qui ont été préservés pour cette enquête? Alors, comme l'a dit la première ministre, il s'agit d'une enquête qui est externe à cette Chambre par des gens qui sont compétents et formés pour procéder à un tel travail. On voit de nombreux détectives amateurs dans cette Chambre, mais il faudrait laisser les professionnels faire leur travail dans le cadre de cette enquête. Donc, parlons d'économie. Ce que la RBC a dit aujourd'hui, c'est qu'en 2014, il y a eu vraiment des activités économiques en pleine accélération dans le secteur commercial. Et donc vraiment, j'aimerais féliciter le ministre responsable du commerce. Il y a également eu un regain des exports. Il y a eu 14,5% d'augmentation. Il y a eu des exportations de véhicules automobiles qui ont augmenté de 8,5%. C'est tout à fait important de parler de cela. Parlons d'économie. Arrêtez l'horloge avant de passer à la complémentaire. J'aimerais vous demander de répondre directement aux questions complémentaires. La raison pour laquelle vous ne voulez pas que nous posions ces questions, c'est parce qu'il y a une puanteur qui entoure ce scandale. Et je suis vraiment tout à fait inquiète du fait que l'histoire se répétera parce que la première ministre n'a pas demandé à sa chef de cabinet adjointe de se retirer pendant que l'enquête suit son cours. C'est incroyable de penser qu'il n'y a pas de documents pour prouver les choses. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de courriel. Alors, le processus par lequel vous avez éliminé votre ancien candidat, où sont les communications qui prouvent ce processus? Comment est-ce que les Ontariens peuvent croire que ces communications n'ont pas encore été supprimées? Merci. Réponse. Nous prenons nos obligations très au sérieux lorsqu'il s'agit d'archivage et de conservation des documents. Nous voulons être ouverts, imputables et transparents. Et ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent en face, mais nous sommes tout à fait engagés à être ouverts et transparents. Nous avons promis de l'être et nous l'avons été d'une manière qui est tout à fait sans précédent et bien plus que le parti d'en face alors qu'il était encore au pouvoir. Et le commissaire à l'information et la protection de la vie privée a félicité le gouvernement de sa conduite en la matière. Et donc, il a vraiment dit qu'il y avait eu des mesures très importantes qui avaient été prises dans ce sens, qu'il y avait eu des formations qui avaient été organisées, de nouvelles règles qui avaient été mises en place. Et la première ministre a travaillé avec la commissaire à l'intégrité et le commissaire à l'information et la protection de la vie privée. Donc, il n'y a pas eu de communication de supprimer. Merci. Complémentaire final. Donc, si c'est ça leur idée de l'ouverture et de la putabilité, je n'aimerais pas voir ce qu'ils définissent comme étant transparent.
Il y a eu deux enquêtes qui ont été lancées concernant les actions de Pat Sobel et de Jerry Lawhey Jr. Et ces deux personnes sont restées en poste alors même que ces enquêtes étaient en cours. Et je peux vous dire que lorsque l'on observe la conduite passée des libéraux, eh bien, on voit qu'il y a eu des suppressions de courriels dans le scandale des centrales au gaz, par exemple. Est-ce que c'est à quoi on peut s'attendre dans ce nouveau scandale? Réponse. Eh bien, écoutons ce que le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée avait à dire à ce sujet. Il a dit que la première ministre avait totalement coopéré et qu'elle avait suivi les recommandations qui lui avaient été faites, qu'elle s'était engagée à être davantage imputable en matière de rétention et de conservation de documents. Et je suis tout à fait heureuse de vous dire qu'il a dit qu'il nous félicitait pour cette évolution. Je le répète, je félicite le gouvernement pour cette évolution. C'est ce qu'il a dit. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Lors du premier jour de cette session, le 17 février, la première ministre a dit que c'était sa responsabilité de répondre honnêtement aux questions et que les Ontariens méritaient de savoir ce qu'il s'était produit. Et malheureusement, la première ministre refuse de répondre aux questions concernant l'enquête dans laquelle elle est impliquée. Et malheureusement, elle continue de poser avec des porcs épics géants et de répondre à des questions concernant, par exemple, des certificats de naissance, de se livrer à toutes sortes de campagnes médiatiques au lieu de répondre à ces questions. J'aimerais vraiment que cette première ministre soit exemptée de la période des questions jusqu'à ce qu'elle ait répondu aux questions de la PPO. Monsieur le Président, la chef du néo-démocrate sait très bien et de première main que ce n'est pas approprié de passer des commentaires sur une enquête de police. Le 11 décembre de l'année dernière, la chef du néo-démocrate a eu une conférence de presse dans le studio des médias et il a dit qu'il y avait des allégations. Voici ce que la chef a dit. Voici, maintenant c'est un cas devant qui est fait l'objet d'une enquête policière. Je ne peux pas passer des commentaires parce qu'il y a une enquête de police à plusieurs reprises et elle a donné la même réponse. Je ne sais pas pourquoi la chef du troisième parti a deux normes, une pour elle et une autre pour la première ministre. La police fait une enquête et donc on laisse l'enquête à la police. Question complémentaire? Peut-être je peux avancer un peu dans cette question-là. Je suis sûr que la première ministre et la vice-première ministre ont du personnel qui écoute la période des questions à chaque jour. Peut-être Pat Sorbara suit la période des questions. Et peut-être qu'elle écrit 705-329-6111. Vous pouvez appeler ce numéro et vous pouvez demander à parler à la direction de la lutte contre l'escroquerie. Vous pouvez donner votre nom et le nom de la première ministre et ils savent qui vous êtes. Après quatre enquêtes, ils vous connaissent bien. Le numéro, encore une fois, 705-329-6111. Est-ce que la vice-première ministre va appeler la police provinciale d'Ontario ou est-ce qu'elle va demander à la première ministre d'appeler ce numéro-là pour organiser une réunion? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La vice-première ministre, Monsieur le Président, la chef du troisième parti veut entendre des chiffres, j'en ai. Je vais lire encore une fois la classification du RBC quant à la croissance économique. La prévision dit qu'il y aura une vraie croissance du PIB. À l'ordre, s'il vous plaît. Intervention du Président, à l'ordre. Vous pouvez faire tous les gestes que vous voulez, c'est à moi de prendre la décision. Et si vous dites un autre mot, je vais vous faire sortir.
La réponse doit être liée à la question. Je vais remercier la chef du troisième parti pour ce numéro de téléphone. Merci beaucoup. Parlons des chiffres qui sont vraiment très importants. RBC a dit que la prévision de croissance du PIB réel va accélérer de 2,5% en 2014. Interruption du président. Nouvelle question. C'est la question complémentaire finale. Hier, la première ministre a dit qu'elle répondrait de façon substantielle quand ça serait bien placé. Est-ce qu'elle pense que la première ministre, que vu que c'est inconvénient cette question, qu'elle n'est pas inappropriée, je suis en désaccord. On ne devrait pas prendre l'unité d'élection spéciale, d'avoir de simples réponses à de simples questions. Interruption du président. Le député, le ministre du Développement économique, pendant que je demande de faire du silence, vous continuez. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi la première ministre peut éviter des enquêteurs pendant 6 semaines, tandis qu'en moyenne, les Ontariens et Ontariennes doivent coopérer entièrement avec une enquête. La vice-première ministre, je vais répéter, la première ministre est en coopération complète avec l'enquête de la police. Peu importe ce qu'ils disent, la vraie, c'est qu'elle collabore avec la police. Cette enquête a lieu, est en cours, en dehors de cette chambre, par des gens qui sont qualifiés et placés et formés pour le faire. Et la première ministre coopère. Et entre-temps, les deux partis de l'opposition ont abandonné toutes les questions importantes pour leurs concitoyens en lançant de la boue, en disant des choses qui ne sont pas appropriées. Je pense qu'il est bien temps de passer à des questions importantes pour la population ontarienne. Arrêtez la pendule. Je vais demander à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. C'est clair que ce n'est pas à l'intérêt du Parti libéral, de la première ministre ou son gouvernement, pour qu'elle réponde à des questions sur le scandale de la corruption de Sudbury. D'un autre côté, c'est à l'intérêt de la population ontarienne d'avoir des réponses sur qui a autorisé les pots de vin à Andrew, l'offre de pots de vin à Andrew Olivier et qui a donné l'ordre. Est-ce que la vice-première ministre va dire qui tirait les ficelles dans le scandale de pots de vin à Sudbury? Réponse, la vice-première ministre. Les gens à la maison aimeraient savoir ce qui se passe. Pensons à l'histoire. Pendant l'élection générale, les néo-démocrates ont gagné le siège de Sudbury. Le député a pris son siège, il a démissionné quelques mois plus tard, ce qui a déclenché l'élection partielle. Le député fédéral néo-démocrate a pris une décision difficile, mais très courageuse, de laisser le nouveau parti démocratique, de rejoindre le parti libéral, de laisser la Chambre des communes et de venir à l'Assemblée législative. Et la population de Sudbury a pris une décision très sage d'envoyer Glenn Thibault à cette Chambre en tant que député provincial. Réponse? Je sais que c'est difficile. Quand on perd un député de son parti, un membre pour un autre parti. Merci. Question complémentaire. Hier, le ministre de l'Environnement a dit, et je cite, « C'est une belle journée » quand la première ministre nous a dit que c'était qui serait notre candidat. Fin de citation. Des ministres après un autre ont endossé ce que la police provinciale de l'Ontario, élection ontarienne, l'élection Ontario, plutôt, on décrit comme l'activité criminelle. Qui dans le Conseil des ministres et dans le groupe parlementaire a
entendu la première ministre qu'il avait des offres d'emploi à Andrew Holyby pour qu'il se retire de la course. Réponse de la vice-première ministre, je rejette tout simplement les allégations dans cette question. Dans la construction du Parti libéral de l'Ontario, qui a été débattu et adopté par les membres du Parti libéral, la chef ou le chef du Parti libéral a le droit de nommer des candidats. Cela n'a pas lieu dans le nouveau Parti démocratique de l'Ontario, mais cela a lieu dans le Parti libéral de l'Ontario. Quand la chef a décidé et quand elle a su que Glenn Thibault allait changer de parti et de palier, elle était très contente. Il n'avait rien de mauvais qui se passait. Elle a pris la décision et a exercé son droit. Et c'est pourquoi on a Glenn Thibault en tant que député. Question complémentaire finale. Depuis l'élection à Sudbury, les Ontariens et Ontariennes ont su que la direction de la lutte contre l'escroquerie fait une enquête sur la première ministre et son cercle de conseillers parce qu'il y a des questions de pot de vin, que le directeur général des élections disait que Pat Sorbara, Jerry Lloyd June a offert des pots de vin à un candidat déçu et que c'est de la corruption. Et on montre qu'il n'y a pas. La première ministre insiste que les mauvais jours sont dépassés. Mais nous voici encore avec un autre scandale. Pourquoi est-ce que les libéraux ne se semblent jamais changer? La vice-première ministre. Nous devions plus fort et je suis très content que le Parti libéral devienne plus fort. Et si on veut parler des nominations dans cette Chambre, il faut revoir ce qui a eu lieu à Scarborough-Guildwood pendant l'élection partielle en 2013. Il avait un membre de longue date, une femme extraordinaire, Breshi Rawaba, et qui était la candidate et le parti a apporté Andrew Gerbron pour s'assurer de l'équité du processus et à la surprise que Amership Karshav, qui était plus surprise, presto, Andrew Gerbron est devenu le candidat. Si vous voulez appeler cela une nomination équitable, je suis en désaccord. Quelles étaient les conversations avec la chef du troisième parti, avec cette candidate déchue? Nouvelle question, le député de Leeds-Grenville. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier soir, le compte officiel de Twitter de votre parti a dit « Je suis très content de présenter Ed Glenn Thibault au dîner de l'héritage, du patrimoine, d'être avec des amis et faire de bonnes choses. » Vice-première ministre, Pat Sorbara a été trouvée en contravention apparente. Elle fait l'objet de deux enquêtes de la police provinciale de l'Ontario. Madame la vice-première ministre, est-ce que l'arrogance du bureau de la première ministre n'a pas de limite? La vice-première ministre, je suis très content de dire qu'on a eu un événement extraordinaire hier soir. Il y a eu un discours extraordinaire de la vice-première ministre. On a eu un nombre incroyable de gens et du soutien extraordinaire au discours de la première ministre. Et beaucoup de gens ont dit que c'était le meilleur discours politique qu'ils avaient jamais entendu. Un discours incroyable qu'elle a indiqué quelle serait sa vision pour la province, qu'est-ce qu'on allait faire pour bâtir l'Ontario et le rendre solide. Et je serais très contente de vous envoyer une copie du discours si vous voulez savoir ce qu'elle a dit. Nous, on veut avoir une croissance économique. Nous sommes très contents que RBC a dit qu'on a une croissance encore meilleure de la province. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. Vous savez, cette réponse et le gazouillage de Pat Sorbara démontrent bien l'arrogance et le dédain pour le directeur général des élections et
la police provinciale de l'Ontario. Il y a des renseignements. Nous attendons pendant que la première ministre s'échappe de l'enquête de la police provinciale de l'Ontario. Ça fait déjà 9 semaines. C'est beaucoup de temps. Ma question à la vice-première ministre, après la photo et le gazouillage, est-ce que Glenn Turbeau et Pat Turbaran se sont dit de bonnes histoires? Intervention du président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je ne veux pas le dire, mais aussitôt qu'il n'a pas le temps, il ne faut pas prendre avantage de ça. La vice-première ministre. On a eu un événement incroyable hier soir. On a eu un très beau discours de la première ministre et si le député d'en face veut analyser les comptes Twitter, ça va pour moi. Mais nous avons les preuves que l'économie se porte mieux et on était très contents que RBC Économie a continué à avoir une prévision de croissance économique pour la province et c'est pas les seuls. La dernière prévision par TD économique dit que l'Ontario va avoir la croissance la plus importante au pays et regardons ce que le Conference Board du Canada dit. L'économie ontarienne est prévue d'avoir une croissance de 2,9%. C'est de bonnes nouvelles et j'espère que l'opposition ne pense pas que ce soit de mauvaises nouvelles. C'est de bonnes nouvelles pour vos concitoyens et les nôtres. Merci. Nouvelle question, le député de Timmins Bay James. Les mauvaises nouvelles, c'est l'arrogance continue de ce gouvernement. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis 5 semaines, la police provinciale de l'Ontario veut avoir une entrevue avec la première ministre concernant l'élection partielle à Sudbury. Quand on a vu que la première ministre n'était pas là, on pensait qu'elle rencontrait la police. Intervention du président. Le député sait bien qu'il ne faut pas indiquer la présence ou l'absence de gens. Sinon, je vais vous demander de vous retirer. Je suis d'accord, je retire mes propos, Monsieur le Président. La première ministre a une occasion pendant la semaine prochaine, la semaine de circonscription, de rencontrer la police provinciale de l'Ontario. Est-ce qu'elle va le rencontrer la semaine prochaine, vice-première ministre? La première ministre a dit que cette réunion est en train d'être organisée et je ne sais pas pourquoi l'opposition gaspille ses questions pendant la période des questions avec des questions pour lesquelles on a déjà donné la réponse. Il y a eu beaucoup de questions qui sont importantes pour la population de la province. On ne parle pas du problème des sans-abri, le problème de la pauvreté, les problèmes d'environnement ou du changement climatique. On n'a pas eu une seule question sur la sécurité ou Gogama. Et c'est des questions qui veulent passer la période des questions à détruire la réputation de la première ministre. Et il faut cibler des questions plus importantes pour leurs concitoyens. Question complémentaire. Je reviens à la vice-première ministre. Ce qui est vraiment époustouflant dans toute cette question, c'est que les gens du bureau de la première ministre, Mme Pat Sorbara et M. Jerry Lougheed, sont en contravention apparente de la loi électorale et ils sont enquêtés par la police provinciale de l'Ontario parce qu'il y a une infraction au code criminel et vous ne prenez pas ce scandale de corruption au sérieux. Vous ne répondez pas à les questions, vous essayez de faire de l'obstruction. Je vous pose la question encore une fois. Est-ce que la première ministre est prête à rencontrer la police provinciale de l'Ontario la semaine prochaine afin de répondre à des questions sur le scandale de la corruption à Sudbury? Vice-première ministre, si le député d'en face veut aider, je peux vous donner le numéro de téléphone. La première ministre dit qu'elle
collabore avec la police provinciale de l'Ontario. Elles sont en train d'organiser une réunion. Il n'y a pas un poste vacant, mais si les députés de Timmins Bay James veulent faire une demande, je vais donner cette demande-là. Nouvelle question, le député de Glengarry Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Et c'est tout un plaisir d'en voir mon ancien collègue, l'ancien député Phil McNeil, qui est là. Il était un défenseur de l'action en matière de changement climatique. Le changement climatique cause beaucoup de problèmes à notre infrastructure, à notre alimentation et l'eau potable, aussi bien que la concurrentialité. Je veux remercier le ministre quand il était à la conférence de presse. Et cet après-midi, je vais débattre une motion et j'aimerais qu'on pense au changement climatique et qu'on passe à de l'action immédiate. Est-ce qu'on pourrait parler de l'importance du changement climatique et que ça dépasse à la politique partisane? Le ministre de l'Environnement. Merci. J'aurai beaucoup de plaisir à appuyer la motion du député, le billet de député numéro 36, et le député continue toujours à défendre l'action en matière de changement climatique. Nous avons vu au Royaume-Uni, par exemple, les trois partis dans le Parlement britannique ont appuyé une motion qui ressemblait à celle-là. En Nouvelle-Zélande, en Norvège, on a vu de même. Tous les députés ont avancé et on a eu le consentement unanime, un appui unanime plutôt, pour qu'on puisse contrer le changement climatique. On aura l'occasion, on aura 107 députés en Chambre, et ça, si on a l'unité, ça serait très puissant. On a vu les résultats en Norvège, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande. Ça a déclenché vraiment toute une action pour le changement climatique. Question complémentaire, merci pour cette réponse. C'est vraiment très positif de voir que vous allez appuyer, Monsieur le ministre, appuyer cette motion. Mais malheureusement, les députés de l'opposition ne ciblent pas les questions importantes pour la population ontarienne. Le changement climatique, c'est un des plus grands défis de notre époque et ça va toucher l'infrastructure, l'alimentation, l'eau potable, l'agriculture et la concurrence économique. Donc j'aimerais demander au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Chez nous, on a des producteurs agricoles qui sont concernés quant au changement de la température et l'impact sur les récoltes et leur cheptel. Et donc, je vous demande, est-ce que vous pouvez informer la Chambre ce que le gouvernement va faire pour contrer le changement climatique? Merci, M. le Président. Encore une fois, je veux remercier les députés. Au cours des cinq dernières années, nous avons vu les niveaux de GES diminuer en Ontario. Nous essaierons d'avoir un nouvel accord. Après 10 ans, Monsieur le Président, nous espérons qu'au cours des prochaines 5 années, nous verrons le même niveau, puisque ça prend quelques années pour mettre en place les nouvelles politiques. On travaille avec la Californie et le Québec, ainsi que d'autres nations, afin d'amener des diminutions qui sont significatives. Pourquoi est-ce que c'est important, M. le Président? C'est qu'en 2012, nous avons perdu 80 % de nos productions de pommes. C'était 60 % l'année suivante. Et lorsque l'on parle à la sécurité alimentaire en Ontario, si on a de la difficulté à faire pousser des pommes, c'est compliqué, c'est difficile. Mais je n'allais pas le mentionner, mais la députée de Nepean-Carlton, je fais du chahut, elle devrait lire le communiqué qui a été remis par le Pentagone. Nouvelle question, députée de Elgin-Middlesex-London. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre. Elle doit rencontrer la PPO, j'imagine. Intervention du président. Ça ne me rend pas heureux du tout. Ça ne faisait pas partie de votre question. Désolé, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre.
la vice-première ministre, hier, vous êtes allé à un souper de l'héritage libéral. On vous a posé la question si vous alliez ralentir. Vous avez dit non. Pourquoi est-ce que ça ne s'applique pas aux entrevues avec la PPE? La vice-première ministre. Monsieur le Président, la première ministre a dit hier qu'elle ne ralentirait pas. Et on est tous impressionnés par l'énergie de la première ministre. Elle a fait un discours impressionnant hier. Elle a rencontré beaucoup de gens. Elle était énergétique. Et c'est la meilleure première ministre que nous aurions pu espérer avoir. Donc oui, elle n'arrête pas. Est-ce qu'elle a une rencontre avec la PPE? Vous l'avez entendu plusieurs fois. C'est en cours de choses. Et peut-être que vous voudriez être l'assistante à l'horaire de la première ministre. Je suis certaine que vous pourriez postuler pour l'emploi. Complémentaire, encore une fois, mes réservations ont probablement été effacées avec par le personnel. L'enquête a été réouverte. Ça fait 5 semaines depuis que nous avons entendu parler de la demande d'entrevue avec la première ministre. Madame la vice-première ministre, est-ce que cette entrevue a été établie? La vice-première ministre, comme ça a été dit encore et encore, cette entrevue est en train d'être planifiée. Peut-être que la PPO se plaint ou non, on ne sait pas. Je comprends pourquoi les conservateurs ne sont pas heureux de l'élection partielle. Ça ne se produit pas très souvent que le parti de l'opposition perd son dépôt. Et en fait, je crois qu'ils en ont perdu 4. Donc, si vous ne voulez pas vous concentrer sur Sudbury, on pourrait peut-être se concentrer sur autre chose. Passons à ce qui s'est passé. La première ministre a été mise au courant que Glenn Thibault, le député fédéral, allait se joindre au Parti libéral. Nous étions heureux et excités de voir qu'un homme de ce calibre voulait faire ce changement afin de représenter ses commettants ici, et c'est ce qui s'est produit. Nouvelle question, député de Bromley-Gorham-Alton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la procureure générale. Les avocats en droit criminel recommandent toujours à leurs criminels d'être prudents lorsqu'ils font leur plaidoyer. C'est parce que ça peut être utilisé contre eux. On leur dit donc qu'ils peuvent utiliser leur droit de demeurer silencieux. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que la première ministre a demandé à la première ministre de garder le silence? La procureure générale, laissez-moi parler de la bonne nouvelle qui s'est produite à Sudbury. Après l'élection. La première ministre a fait un excellent travail dans l'exercice de ses droits de choisir cet excellent candidat, Glenn Thibault. La semaine dernière, lundi, en fait, j'ai eu quelques francophones qui sont venus me voir et m'ont dit: nous, à Sudbury, nous sommes très heureux d'avoir Glenn Thibault comme député. Donc, la première ministre a fait un excellent travail et je voudrais la féliciter. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La procureure générale ne peut pas nous dire si elle a donné ce conseil, mais la procureure générale pourrait nous dire si la première ministre lui a demandé ses conseils juridiques et si ce conseiller lui a dit que la première ministre devrait garder le silence et si ce conseiller lui a dit de faire attention à ce qu'elle dit à la police, la procureure générale. Premièrement, Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, je ne suis pas impliquée au sein de l'enquête. Je ne suis pas impliquée dans rien qui a trait à l'élection partielle de Sudbury. Intervention du président, arrêtez la pendule. Le leader parlementaire adjoint utilise le micro de quelqu'un d'autre. Et il reviendra à l'ordre. La procureure générale, il est très clair. Le directeur général des élections l'a dit dans sa lettre,
au leader parlementaire, Gilles Bisson, a reçu une copie de la lettre que j'ai ici concernant le processus et j'espère qu'il a informé son groupe parlementaire du processus, parce que sinon, je dirais qu'il est temps qu'il informe son groupe parlementaire sur le processus et comment la procureure générale est à l'extérieur de cette enquête. Merci. Nouvelle question. La députée de York South-Weston. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, l'opposition néglige de poser des questions concernant les politiques gouvernementales ces jours-ci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Au ministre, il y a des il y a eu une grande grève dans ma circonscription qui est toujours en cours pour une entreprise de canage. C'est très difficile pour leur famille puisqu'ils se retrouvent sans revenus depuis quelques mois. Il fait très froid cet hiver, mais pourtant les grévistes continuent à faire le piquet de grève. Monsieur le Président, l'humeur de ces enfants, malgré leur humeur, ils ont pris leur temps de grève pour aller chercher le petit Elijah qui malheureusement est décédé de froid dans la ville. Ils l'ont trouvé décédé malheureusement. Donc, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait concernant la situation de cette grève à Crown Buildings. Le ministre du Travail, je remercie la députée de York Sud-Weston pour cette question très importante. Crown Moldings ont une usine à Weston qui est de canage, qui est représentée par 300 employés. Ils sont en grève depuis le 6 septembre et le paragraphe 42 de la loi sur les relations de travail a fait en sorte que les employés ont refusé l'offre qui leur a été proposée. Nous avons eu des rencontres afin d'aider les deux parties. Mais comme la députée l'a mentionné, notre gouvernement et tous les Ontariens sont inquiets du fait que cette dispute de travail n'est toujours pas résolue. Nous demandons donc à l'employé et aux employeurs d'arriver à un accord dans les meilleurs termes et nous demandons aux deux parties de retourner à la table de négociation et de trouver une solution. La députée complémentaire. Encore au ministre du Travail, je voudrais le remercier pour son information et le message qu'il essaie de passer ici à cette Assemblée. Cette semaine, Monsieur le Président, nous avons entendu qu'il y a eu de grandes interventions du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. Revenez à l'ordre. J'aimerais que les débats d'un côté et de l'autre ne se produisent pas, à moins que vous posiez une question et répondiez à une. Continuez. Cette semaine, j'ai dit, Monsieur le Président, que nous avons entendu les mesures qui sont mises en place par les employés afin d'être entendus. Ils envoient des pamphlets à différentes filiales de Crown Moldings et je voudrais savoir si le ministre peut nous dire comment la loi gouverne ce genre d'action. Le ministre, je remercie la députée encore une fois pour avoir soulevé cette question très importante. Nous devrions tous applaudir cette députée puisqu'elle prend la parole pour ses commettants. Un lockout n'est pas une situation normale de travail. Et l'an dernier, 98 % des négociations de contrats ont été résolues. Intervention du Président. Ministre du Transport, revenez à l'ordre. Député de Essex, revenez à l'ordre. Merci. Merci. Dans ce cas, malheureusement, les travailleurs ne travaillent plus depuis 18 mois. Ce n'est pas bon pour les entreprises, ce n'est pas bon pour les travailleurs, ce n'est pas bon pour personne dans cette province. La loi contient des dispositions concernant les processus qui forcent les deux parties à trouver une négociation qui est acceptable. Des actions spéciales peuvent être aussi mises en place, par exemple le paragraphe 42, un vote de dernière offre qui a déjà été fait, et d'autres parties, Monsieur le Président, qui sont utilisées seulement dans des circonstances extraordinaires. Les meilleurs marchés sont conclus à la table des négociations, et Monsieur le Président, je demande à ces deux parties de revenir à la table.
Député de Wimbrose, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vice-première ministre, la semaine dernière, le nouveau député de Sudbury est devenu adjoint parlementaire au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Intervention du président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Veuillez poser votre question. Je ne peux m'empêcher de voir qu'il recevra une augmentation de salaire de 13 % après seulement 4 semaines au travail. Pat Sabara a offert à M. Olivier se retirer de la course. Et ma question est la suivante. Est-ce que ce supplément de revenus a été offert par Pat Sabara afin que Glenn Thibault devienne le candidat libéral? Au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. C'est la première question que je reçois de mon porte-parole. C'est presque sur une question d'environnement. Presque. Presque. Monsieur le Président, la position du conservateur, c'est de ne pas prendre aucune position et de demander au chef de poser des questions. De votre côté de l'Ontario, il y a eu des problèmes où nous avons perdu 80 % de nos récoltes de pommes en 2012. Une perte de 60 %. Maintenant, elle dit que c'est au nord de ma circonscription. J'imagine, de sa circonscription, j'imagine qu'elle se fout un peu des agriculteurs. À l'ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, elle veut amener une enquête policière de façon inappropriée dans cette Chambre. Les cultivateurs de pommes ne l'intéressent pas parce qu'il n'y en a pas dans sa circonscription. Elle se fout aussi de l'accès au changement climatique. Le député de Mississippi Mills dit que le CO2, c'est quelque chose de positif. Complémentaire. Il semble qu'il y ait beaucoup d'air chaud dans cette chambre, M. le Président, et je voudrais revenir à la vice-première ministre. Hier, nous avons vu comment M. Thibault et Pat Sabara étaient, selon Twitter, elle a paradé au cours de votre souper de levée de fonds. Et aujourd'hui, M. le Thibault a confirmé, dans un échange avec un de mes collègues, lui a demandé de rencontrer la PPO. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que la première et ministre et M. Thibault vont rencontrer la PPO? Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Vous savez, en fait, je crois que le nouvel adjoint parlementaire, M. le Président, je suis certain que M. Thibault rencontrera, peu importe qui veut le rencontrer, il n'attendra pas. Il a été à Gogama, il était sur le terrain, il prenait des photos, il partageait l'information. Nous travaillons ensemble pour résoudre le problème des études de la qualité de l'eau. Nous avons ces études à Gogama et à Timmins. Nous voudrions en parler en chambre, mais on ne nous pose pas de questions concernant ces choses essentielles. Les conservateurs ont une longue histoire de problèmes de qualité d'eau. Donc, j'imagine que pour eux, protéger les qualités de l'eau, c'est important. Les députés de l'autre côté devraient savoir encore plus que tous les autres députés à quel point il est important pour l'opposition de faire en sorte que le gouvernement soit redevable. C'est un des déversements les pires que nous ayons jamais eu, M. le Président. Et la députée de Huron-Goose devrait nous en parler. Députée de Milton Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre Pat Sabara. Fait face à une enquête criminelle pour son rôle dans la nomination de Glenn Thibault. Mais plutôt que de montrer un peu de contrition, Pat Sabara a envoyé un gazouille d'une photo d'elle-même et de Pat Thibault au cours d'un souper de levée de fonds. C'est l'attitude libérale à son meilleur. Pat Sabara, elle est au-dessus de la loi. Elle croit qu'elle est au-dessus de tout acte de contrition. Est-ce que la vice-première ministre croit qu'il est approprié? Intervention du président. J'apprécierais grandement que l'on n'élève pas le débat de la façon dont il l'a été, en particulier
lorsque les deux côtés doivent être contrôlés. Veuillez poser votre question. Est-ce que la vice-première ministre croit qu'il est approprié pour Mme Sorbara d'être aussi arrogante alors qu'elle fait face à deux enquêtes de la police qui sont en lien avec la nomination de M. Thibault? La vice-première ministre. Les questions des néo-démocrates montrent, je ne sais pas exactement comment le dire sans utiliser des mots que vous allez me demander de retirer. Ce que je veux dire, c'est que les néo-démocrates savent très bien et de première main qu'il est inapproprié de commenter sur une enquête policière. Laissez-moi vous rappeler, le 11 décembre, l'an dernier, la chef des néo-démocrates a tenu une conférence de presse et on lui a posé des questions sur des allégations contre candidat néo-démocrate. Et voici ce qu'elle a dit au cours de cette conférence de presse. Elle a dit, présentement, c'est une question qui est au sein de la police. Je ne peux pas parler des détails parce que la police mène son enquête. On lui a posé la question plusieurs fois. Après 14 fois, elle a dit, je ne vais pas en parler. Complémentaire. À la vice-première ministre, la PPO Élections Ontario disent que Pat Sorbara a offert un pot de vin à Andrew Olivier afin qu'il s'enlève du chemin de la première ministre, afin qu'elle puisse nommer Glenn Thibault comme candidat. Pat Sorbara se moque des Ontariens. Elle ne s'inquiète peu de ces deux enquêtes de la PPO. Elle s'inquiète très peu de l'intégrité du bureau. Elle est libérale et elle croit qu'elle sait mieux que la police, mieux qu'Élections Ontario et mieux que les Ontariens. On parle ici de ce qui est bien pour la population de cette province. Est-ce que la vice-première ministre croit que c'est vraiment une situation appropriée? La vice-première ministre, je me rappelle le moment où la députée de l'autre côté posait des questions concernant les enfants. En tant que porte-parole pour les services à la jeunesse et aux enfants et à la jeunesse, elle posait de bonnes questions. Et la ministre était toujours prête à répondre à ces questions. Mais pendant 4 semaines, nous n'avons eu aucune question de substance concernant ce sujet. Intervention du président. Continuez. Donc, comme je l'ai dit, je me rappelle le moment où nous obtenions des questions. Je m'attendais à des questions sur Hydro. Je me serais attendu des questions sur la thérapie de conversion. Revoyons donc ce qui s'est passé. Au cours de l'élection de 2014, les néo-démocrates ont gagné le siège de Sudbury. 5 mois plus tard, le nouveau député néo-démocrate a démissionné de son siège. Intervention du président. Merci. Nouvelle question. Député de Scarborough-Rougeau. Merci, M. le Président. J'ai une question importante au ministre du Développement économique et de l'Infrastructure. Une question sur quelque chose qui est très important pour mes concitoyens. Contrairement aux questions qui nous viennent de l'opposition, qui n'ont rien à voir avec ce qui préoccupe les Ontariens. J'aimerais remercier le ministre Intervention du président. Si cela continue, je vais continuer à laisser la pendule se dérouler. La position de notre gouvernement sur le projet de loi C-40 sur la rivière Rouge. Ce projet de loi fédéral ne donne pas la protection nécessaire à la région de la Rivière Rouge. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous parler des développements récents sur ce projet de loi? Le ministre du Développement économique, merci. J'aimerais remercier le député pour sa question et pour sa passion pour s'assurer que nous faisons ce qui est en notre devoir pour protéger la vallée rouge. Nous allons continuer de travailler de concert avec
nos partenaires fédéraux ainsi que les communautés agricoles dans la vallée de la Rivière-Rouge. Nous avons envoyé des modifications au comité du Sénat. Ces modifications amènent un équilibre entre la protection de l'avenir écologique du parc ainsi que la promotion de la communauté agricole. Je suis très déçu que le gouvernement fédéral veuille ignorer ces idées constructives. C'était une façon constructive d'essayer d'aider le gouvernement fédéral à renforcer sa législation pour qu'elle soit au même niveau que la législation provinciale. Mais ceci a été rejeté par le gouvernement fédéral, malheureusement. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre et j'aimerais aussi le remercier pour ses efforts pour la protection de ces terres. Ces modifications auraient vraiment aidé à protéger le parc tout en ayant une discussion avec toutes les parties prenantes. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas pris en compte cette modification qui aurait renforcé le projet de loi. Ce matin, le comité du Sénat est en train d'étudier le projet de loi article par article. Le sénateur Eagleton a proposé les modifications. Et est-ce que le ministre peut nous parler des résultats de ceci? Merci, le ministre. Merci. Merci encore aux députés pour sa complémentaire. Et merci au sénateur Eglinton pour avoir amené ces modifications. Malheureusement, encore une fois, les conservateurs au niveau fédéral ont rejeté ces modifications ce matin. Le gouvernement fédéral a un agenda très mixte concernant l'environnement. Ce gouvernement et moi-même n'allons pas tourner notre dos aux gens que nous devons protéger. Nous allons prendre des mesures pour protéger la vallée de la Rivière-Rouge, mais non seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les générations futures. Nous n'allons pas arrêter de nous engager dans l'avenir écologique de ces terres. Et j'ai donc confiance qu'il y aura des actions au niveau fédéral, peut-être pas de la part de ce gouvernement, mais nous allons obtenir ce que nous voulons et nous allons nous assurer que cela est fait de la bonne façon pour protéger la vallée et les fermiers. Nouvelle question, le député d'Oxford. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Tout le monde sait quelle est l'histoire de la protection des données dans votre parti. La tradition, c'est d'effacer les disques durs et de ne pas garder les courriels. Mais cette première ministre a dit qu'elle serait différente. On a dit qu'on allait garder toutes les données, tous les courriels, etc., qui allaient aider à l'enquête de la PPO. Le ministre des Services aux consommateurs. Merci. Merci, j'apprécie la question. Je sais que la députée sait très bien quelles mesures ont été prises concernant la rétention des données. Vous savez, quels commentaires ont été faits. Et j'aimerais féliciter le nouveau commissaire à l'information et à la protection de la vie privée. Nous avons pris certaines mesures concernant la rétention des données. C'est maintenant une offense de ne pas donner l'information qui est demandée. Et cela va jusqu'à une peine de 5 000 $. Les députés, par le passé, ils se sont conduits d'une manière semblable à ce que les gouvernements ont fait au cours des années. Complémentaire. Encore une fois, je retourne à la vice-première ministre. J'espère vraiment que vous avez conservé tous les documents et les courriels concernant l'élection partielle à Sudbury. J'espère que vous l'avez gardé quelque part de sécuritaire. Intervention du président, le leader parlementaire adjoint du gouvernement, vous êtes averti. La première ministre dit toujours qu'elle coopère avec les autorités. Alors, à la vice-première ministre, est-ce qu'il faudra un mandat ou est-ce que le cabinet de la première ministre donnera toutes les données et les courriels à la PPO?
Le ministre, c'est un plaisir pour moi de parler de la rétention des données au gouvernement. Et voici ce que le commissaire a dit. Il a dit que le gouvernement et la première ministre ont fait beaucoup de progrès dans ce domaine. J'apprécie la coopération de la part de Kathleen Wynne concernant ceci. On a dit qu'il y aura une pleine coopération avec les autorités. Comme la première ministre l'a dit, c'est une enquête de la PPO. Il faut laisser la PPO faire son travail. Nouvelle question, le député d'Algoma-Manitoulin. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Je ne comprends pas. Cela fait 4 semaines qu'on vous pose des questions. Il n'y a eu aucune réponse. Pourquoi est-ce que la première ministre ne peut pas répondre à une question toute simple? Ce sont des questions que les gens dans ma circonscription et à travers l'Ontario demandent. Mais la première ministre évite les questions et elle nous retourne la balle. Intervention du président, arrêtez la pendule. Le député, à l'ordre, s'il vous plaît. La première ministre évite de répondre aux questions et retourne la balle de l'autre côté. Et elle se cache derrière son leader parlementaire. Est-ce que la vice-première ministre va dire aux Ontariens qui sont les autres personnes à qui la première ministre a dit de s'écarter et est-ce qu'ils ont reçu des pots de vin? La vice-première ministre. Merci, M. le Président. Je sais que le député de l'autre côté est le porte-parole pour les affaires nordiques et les mines. Je sais qu'il veut parler de Gogama. Je sais qu'il veut poser cette question concernant sa circonscription. Mais je crois qu'il faut vraiment penser à ce que Glenn Thibault, en tant qu'assistant parlementaire au ministre de l'Énergie, bien ce qu'il a fait dans le court laps de temps où il a été ici. Il s'est rendu sur place à Gogama. Je suis certaine qu'il a de l'information que cette Chambre aimerait recevoir. En tant qu'assistant parlementaire au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique, il a rencontré les résidents, les leaders communautaires pour étudier l'impact sur la communauté et sur l'environnement. Le député, de l'autre côté, nous pose une question politique qui n'a rien à voir avec ses vrais intérêts dans son cœur. Complémentaire. Je suis très fière du travail de notre député de Nickel Belt et du député fédéral de Nickel Belt qui étaient sur place et qui ont fait du vrai travail. Le problème avec cette histoire libérale, c'est qu'il n'y a aucune preuve pour l'histoire de la première ministre. Mais selon Élections Ontario et la PPO, il y a des preuves de pots de vin. Je vais le répéter, il y a des preuves qu'il y a eu des pots de vin. Est-ce que la vice-première ministre peut nous donner des preuves que la version de la première ministre est véridique? La vice-première ministre. Il semble évident que ce député veut discuter de ce qui s'est passé à Gogama, mais j'aurais espéré que cette question aurait porté sur ce problème. Informer la Chambre qu'un changement a été fait dans l'ordre de présidence pour la liste des billets de députés. Monsieur Singh est maintenant au numéro 74 et Madame de nouveau numéro 40. Point de privilège. J'aimerais remercier Mandabad qui est ici dans la galerie, la mère de notre page Zaya. Nous avons mis aux voix différées concernant la deuxième lecture du projet de loi 49. Nous allons appeler les députés. Ce sera une sonnerie de 5 minutes.
Would all members please take their seats? Je demande aux députés de retourner à leur siège, s'il vous plaît. Député, veuillez prendre votre place. Le 14 décembre 2014, le Monsieur Chan a proposé le projet de loi 49, loi portant sur l'immigration en Ontario et apportant une modification connexe à la loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Et Monsieur Nagvi a proposé la motion que la question soit maintenant mise aux voix. Tous ceux qui sont en faveur, levez-vous. Sandals. Mr. Dugan. Mr. Charles. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Takar. Mr. Bardinetti. Mr. Bardinetti. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Quadri. Mr. Quadri. Mr. Orazetti. Mr. Orazetti. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Murray. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Moridi. Mr. Couteau. Couteau. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Balkison. Mr. Balkison. Mrs. Albanese. Mrs. Albanese. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Crack. Mr. Crack. Ms. Wong. Ms. Wong. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Sergio. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Jasek. Ms. Jasek. Mr. Del Duca. Mr. Del Duca. Ms. Domerla. Ms. Domerla. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Dong. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Koala. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Ms. Molly. Ms. Molly. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Ms. McMahon. Ms. McMahon. Mr. Milchin. Mr. Milchin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Verniel. Ms. Verniel. Mr. Thibault. Mr. Thibault. Ms. Hubisson. Ms. Hubisson. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Ms. DeNovo. Ms. DeNovo. Madame Gelina. Madame Gelina. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Natashek. Mr. Natashek. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Mr. Fife. Ms. Mr. Fife. Ms. Fife. Mr. Singh. Ms. Forrester. Ms. Forrester. Mr. Mantha. Mr. Mantha. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Ms. Gretzky. Ms. French. Ms. French. All those opposed. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever et restez debout jusqu'à ce que vous soyez reconnus. Arnold. Arnold. Ms. McLeod. Ms. McLeod. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Miller Perry San Muskoka. Mr. Miller Perry San Muskoka. Ms. Jones. Ms. Jones. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Ms. Scott. Ms. Scott. Mr. Urich. Mr. Urich. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Hillier. Mr. Hillier. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Ms. Marteau. Ms. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettipiece. Mr. Pettipiece. The ayes are 69, the nays are 16. Pour 69, contre 16. The ayes being 69, the nays being 16, I declare the motion carried. Je déclare cette motion adoptée. Monsieur Chan a proposé la deuxième lecture du projet de loi 49. Plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour, dites oui. Tous ceux qui sont contre, dites non. Les oui l'emportent. Appelez les députés. Pardon. La motion est adoptée. Devons-nous aller de l'avant avec la deuxième lecture? Oh, yes. OK. Shall the bill be ordered for third reading? Le ministre. Monsieur le Président, je demanderai que le projet de loi soit référé au comité de la justice. Avant de terminer, j'aimerais vous souhaiter à tous une belle pause avec votre famille et avec vos concitoyens. Soyez prudents
et merci pour le travail que vous faites. Il n'y a pas d'autres votes.